إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، après le cours de Cheikh Mohamed l'Imam, Hafidahullah Ta'ala, qu'on a fait en deux cours et demi, on va dire peut-être presque trois cours, sur les quatre ennemis du musulman, qui avait pour titre « Oh toi le musulman, où tu as quatre ennemis ». On fait maintenant le cours de Cheikh Abd al-Bukhari, Hafidahullah Ta'ala, qui a pour titre « La taqwa, la piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application ». En arabe, « At-taqwa, haqiqatuha wa atharu tatbiqiha ». Et on commence directement le cours. Le Cheikh il dit, Hafidahullah Ta'ala, « Ayyuha al-ahibba, nahmadullah miraran wa tikrara, naharan wa layla, an hayya lana wa lakum hada al-liqa, fi hada al-balad al-mubarak, fi hada al-majid al-mubarak, insha'Allah Ta'ala. Wa nas'alullah jalla wa ala, an yubarika lana wa lakum fi awqatina wa a'malina, wa an yajziya al-qa'imina min wuzarat al-shu'un al-diniya wa mudiriyatiha, al-bawaqi, wa wali al-wilayah, al-bawaqi, wa al-ikhwa al-kiram jami'an, khair al-jaza wa awfah. وأما عن رغبة الإخوة هنا أن يختطفوني كما يقال، فهذا يعني محبة زائدة، ويعني نمرها كما جاءت ولا نقف عندها. نعم، وأنا أبادلهم حقيقة الشعور نفسه في اعتزازي بالإخوة والأبناء طلبة العلم والمحبين والحريصين على السنة. شيخ الدي حفظه الله تعالى، أمي بيان أمي، نغمرسون الله souvent fréquemment nuit et jour qui nous est facilité ainsi qu'à vous cette rencontre dans ce pays béni. Pensez bien qu'il n'a pas de le cours à Nice, hein, il a fait le cours où? À Médine. Mais le cheikh est en Médine en fait, sahih. Donc le pays béni c'est quoi? C'est un pays d'islam, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et dans cette mosquée bénie, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah qu'il nous bénisse ainsi qu'à à vous notre temps et nos actions, et qu'il récompense les responsables du ministère des affaires religieuses et sa direction d'Oum al-Bawaqi, le gouverneur d'Oum al-Bawaqi, ainsi que tous les nobles frères de la meilleure et de la plus complète des récompenses. En ce qui concerne le désir des frères ici qu'ils m'enlèvent, comme on dit, eh bien cela est un amour excessif. Et nous le mentionnons comme c'est venu, et nous n'y arrêtons pas. Mais moi je le retourne sincèrement le même sentiment de fierté des frères et des enfants, étudiant en sciences islamiques et étant ardent dans leur suivi de la sunna. Et puis le shérif fait une doua, il dit, nous demandons الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجمع أجمعنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rassemble tous sous l'étendard du maître des messagers alayhi salatu wassalam et guide des pieux Muhammad ibn Abdullah, que les prières et les saluts, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et puis Cheikh il rentre dans le vif du sujet et il dit: أيها الأحبة، هذه المحاضرة أو الكليمة هي عبارة عن عنوانها حقيقة التقوى وأثر تطبيقها. وهذه الكلمة العظيمة عن التقوى كثير منا لعله لا يعرف المعنى الحقيقي لها، وبالتالي لا يعرف تحقيقها وما يعود عليه من نفع إن شاء الله في الأولى والآخرة. Donc ça, ici on va parler du titre, c'est important de garder tout au long du cours le titre en tête. Et il dit le cheikh, cher frère, cette conférence ou cette allocution a pour titre la réalité de la piété. Hein, retenez bien ça, parce qu'on va parler de la piété, de sa réalité, Inch'Allah. Et l'effet de quoi? De sa mise en application. Il dit ce sublime mot, je veux dire taqwa, la piété. Il se peut que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas son vrai sens. D'où le but qu'on soit aujourd'hui assis ensemble pour s'entraider à connaître son sens. Et par conséquent, ne connaissent pas l'effet de sa réalisation et ce qui en découle comme bien,
si Allah le permet dans le bas monde et dans l'au-delà. Cheikh il dit après, وَمَا هِيَ هَذِي التَّقْوَى أَلَّتِي أَمَرَنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِهَا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ في قوله جل وعلا وإيايا فاتقون وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته كنا فبختنا خطبة الحاجة سيد سورة آل عمران البخمي سيد سورة البقرة فما دلالة كلمة حق أي حق تقاته في قوله حق تقاته وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سورة البقرة ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا عنها ولباس التقوى ذلك خير سورة الأعراف ما هي التقوى التي حصر وقصر سبحانه وتعالى قبل العمل إلا من أهلها في قوله جل وفي علاه إنما يتقبل الله من المتقين هنا جاء parlé de ces versets quand pour les frères qui étaient pas là ils sont excusés بني آدم les deux fils d'Adam qu'on a rapporté leur histoire dans surat Al-Ma'ida, Ahsant, hein? Et qu'on a dit que quoi? Allah n'accepte que des pieux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait. Avant. La raison pourquoi il a tué. Naam, et qui a été accepté, et l'autre n'a pas été accepté de lui. Et donc Allah a dit, Allah n'accepte que des pieux. Et ça fait partie du bon sens, un enseignement du Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, qu'il fait quoi? Il suscite notre intérêt maintenant. Par quoi? Par des questions. Hein? Et il continue le cheikh, il dit Hafidhahullah ta'ala, s'il y a des téléphones qui sonnent, yani que les responsables, yani que les propriétaires des téléphones, ils s'arrangent pour. Ma hiya at-taqwa allati qala Allah jalla wa ala fi haqqi ahliha innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir suratul qamar wa qala jalla wa ala إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب سورة النبأ عما يتساءلون الآيات أي إلى آخر الآيات شيخ الدي حفظه الله تعالى quelle est cette piété qu'Allah nous a ordonné dans de nombreux versets comme la parole d'Allah dans la traduction du sens est et c'est moi que vous devez redouter سورة البقرة verset 41 Et sa parole dans la traduction du sens est « Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. » Hier, on a traduit, j'avais dit que j'allais le traduire au moins une fois dans la Dora, la Khutbat al-Haja, on l'a fait hier, on ne va pas la refaire. Mais c'est un des versets qu'on cite dans la Khutbat al-Haja, c'est-à-dire l'introduction que faisait le prophète Sarasim dans la plupart de ses discours, au début de son discours, et qui s'appelle Khutbat al-Haja, et on cite un verset dans la traduction du sens, en tout cas une partie, c'est « Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. » On va voir qu'est-ce que ça veut dire maintenant quoi? Comme il doit être craint. Haqqa tuqati. Qu'est-ce que ça veut dire haqq? Haqqa tuqati. C'est surat Ali Imran verset 102. Quelle est la signification de comme il doit être craint? Et quelle est la piété au sujet de laquelle Allah a dit selon la traduction du sens est? Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, la taqwa. Surat Al-Baqarah verset 197. Et quelle est cette piété au sujet de laquelle Allah a dit selon la traduction du sens est « Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. » Surat Al-A'raf, verset 26. Quelle est la piété dont Allah n'accepte les actions que de ces gens? Regardez l'importance de connaître taqwa, ya ikhwa. Comme dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens est « Allah n'accepte que des pieux. » Surat Al-Ma'idah, verset 27. Quelle est la piété dont Allah a dit au sujet de ces gens, selon la traduction du sens est Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Surat Al-Qamar, versets 54 et 55. Et Allah a dit ce dont la traduction du sens est, pour les pieux ce sera une réussite, jardin et vigne jusqu'à la fin des versets. C'est la fin de quelle surat on a dit? Pour voir si vous suivez ou pas. Al-Naba. Verset 31-32, le cheikh dit jusqu'à la fin des versets. Il a akhir al-ayat. Ou bien akmil al-ayat. Quelle est la piété dont Allah a dit à son sujet, ce dont la traduction du sens est Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.
وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها أو عنها؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية. سورة مريم. ما هي هذه التقوى؟ في آية كثيرة في القرآن الكريم آمرة حاثة محذرة من ترك التقوى، وعدت أهلها الخير الكثير والنفع العميم. فما هي حقيقة هذه التقوى؟ كم سلام. Les frères, vous gênez pas pour prendre de l'eau parce que je sais qu'il fait assez chaud. Les frères responsables de l'Akhira nous ont amené de l'eau pour tout le monde, donc servez-vous, inshallah. ولعل كثيرا منا يقول لأخيه أو لأحد من الناس اتق الله. سنطبقه أخي اتق الله. اتق الله. وكثير من الناس يكثرون كلمة اتق الله. أليس كذلك؟ Je vous pose la question. أليس كذلك؟ On dit pas. نعم. On dit pas là. Et si on dit non, on dit quoi? كلا. En arabe, quand on pose une question où il y a une négation, on répond par bala. Et quand on répond par le négatif, on dit quoi? C'est comme si je disais en français, tu es un tel, n'est-ce pas? Eh bien, en arabe, tu dis quoi? Si tu dis oui, tu dis bala. Tu dis pas na'am. Et si c'est non, tu dis kalla. Retenez ça, inshallah. Et notre faïda dans la langue arabe, la différence entre na'am et ajal. Qui la connaît? Na'am, tu fais d'abord. Cheikh l'Éthiopie, moi ce que j'essaie de Cheikh l'Éthiopie, hafidahullah, il dit dans l'explication de Sahih Muslim, il dit que na'am c'est quand c'est une jumla ikhbariya, ajal c'est quand une jumla ikhbariya. Par exemple, je te dis tu es un tel, toi tu me dis ajal, c'est comme si tu confirmes. Par contre, quand je te pose une question, tu dis quoi? Na'am. Donc moi je vous pose la question, allez ça kadalik? Voilà, mashallah, alhamdulillah. Donc on a cité le verset de Sourate Maryam, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Sourate Maryam, versets 71 et 72. Maintenant, chérie, repose encore une fois la question, quelle est cette piété? Il y a beaucoup de versets dans le noble Coran qui l'ordonnent et y incitent, et mettent en garde contre le délaissement de la piété. Et qui promettent aux pieux, au pluriel, un grand bien et un bienfait général. Encore une fois, quelle est la réalité de cette piété? À la fin, on va vouloir savoir ce que c'est, inshallah. Il se peut que beaucoup d'entre eux disent à l'un de leurs frères ou à une personne, crains Allah. On entend beaucoup ça, c'est vrai, non? Crains Allah. Akhi, taqillah. Des fois, pour la moindre des raisons. Akhi, taqillah. Ou des fois, c'est devenu une parole de colère chez les gens. Taqillah. Et beaucoup de gens disent beaucoup, crains Allah, n'est-ce pas? Quel est donc de ce mot, le sens de ce mot? Maintenant, on va savoir, Inch'Allah, le sens de ce mot. Quelle est sa réalité? Puis le Cheikh, il dit, ma ma'na hadith al-kalima, ma haqiqatuha, wa kayfa ta'amala s-salaf, ayyuha s-salafiyoun, min as-sahb al-kiram wa tabi'in ma'adhi al-kalima al-azima. Aqul, barakallahu fikum wa fil jami' lama waqa'at fitnatu ibn al-ash'ad, Abdul Rahman ibn al-ash'ad, retenez ce nom. عبد الرحمن بن الأشعث شيخ يلدي quelle est sa réalité de cette taqwa et comment les pieux prédécesseurs parmi les nobles compagnons et leurs successeurs se sont comportés avec ce sublime mot. J'ai dit qu'Allah vous bénisse et bénisse tout le monde, et c'est Cheikh al-Bukhari qui parle ici. Lorsque l'épreuve d'Ibn al-Ash'ath, et retenez son nom, عبد الرحمن بن الأشعث, est arrivée, أحد القواد يعني للجيوش الذين كانوا يتبعون الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الرجل قد ولاه الحجاج على سيجستان وأرسله لقتال رتبيل. رتبيل سي الغوا دي تورك على ليبوك. ملك الترك الكافر لقتاله وفتح البلاد إلى غير ذلك. المهم أن عبد الرحمن بن الأشعث بينه وبين الحجاج شحناء وبغضاء بين الاثنين. وكان الحجاج من شدة بغضه أراد أن يبعده عن أنظار خليفة المسلمين في ذلك الوقت. من هو؟ عبد الملك بن مروان. فأبعده إلى سيجستان وكل منهما يتحين للآخر. فلم يره يوما ابن الأشعث، لم يرى الحجاج يوما إلا هم بقتله إلى هذه الدرجة من الشحناء. Lorsque l'épreuve, les علماء appellent fitna, l'épreuve d'Ibn al-Ash'ath, c'est-à-dire Abdurrahman ibn al-Ash'ath, est arrivée,
lui qui était l'un des généraux des armées qui dépendaient d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Vous avez quoi? C'est qui? Abdurrahman ibn Ash'ath, d'accord? Il est général de quoi? Na'am, qui dépend de qui? Al-Hajjaj. Mais tu as raison à la fin, mais Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et c'est qui le calife au-dessus de tous? Abdul Malik ibn Marwan. Et des armées donc qui dépendaient de l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj avait placé cet homme, qui, ibn al-Ash'ath, à la tête du Sijistan. Et l'avait envoyé combattre Rutbil, le roi des Turcs, qui était mécréant et conquérir le pays, etc. Donc il y avait entre Abdurrahman ibn al-Ash'ath et qui, al-Hajjaj, une inimitié et une haine entre les deux. Al-Hajjaj le détestait tellement qu'il a voulu l'éloigner du regard du calife des musulmans à cette époque, qui était qui? Abdul Malik ibn Marwan. Ou si vous voulez, ici, il a dit Cheikh Abdul Malik ibn Marwan. Il l'envoyait donc loin au Sijistan. Il l'a éloigné, en fait, des regards des gens. Et chacun des deux attendait le moment opportun. Ibn al-Ash'ath ne voyait pas un jour al-Hajjaj sans qu'il n'ait l'intention de le tuer tellement il le détestait. Puis Cheikh, il dit, « فَلَّمَّا بَدَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّيْرِ بَقْيَ فِي بلدة من البلدان أدركه فيها الشتاء القارس فبقوا فيها بعد أن فتحوها وأرسل إلى الحجاج أن أردنا البقاء إلى حين انقضاء الشتاء يتقوى الجنود على مواصلة السير والجهاد فأرسل إليه الحجاج يوبخه ويصفه بالجبن والخور والضعف وأنه كذا وكذا وكذا فيه يعني عبارات غير لائقة ولا ممدوحة فوافق ذلك الشحناء وتبع الحجاج هذه الرسائل وهذه الكتابات إلى ابن الأشعث باللوم ووجد سبيلا للنيل منه والكلام فيه. Lorsque عبد الرحمن il démarra son voyage, le voyage vers où? Vers le Turkménistan, صح ولا لا? Hein? C'est juste, hein? Non, c'est le Sijistan. Hein? Lorsque عبد الرحمن démarra son voyage, il resta dans une contrée. Il était pourquoi là-bas? En vacances? Qui? C'est des noms un peu difficiles, hein? Ahsant, Rutbil, le roi des Turcs à l'époque, qui était mécréant. Lorsqu'Abdurrahman démarra son voyage, il resta dans une contrée où ils trouvèrent un hiver glacial. Ils restèrent donc après l'avoir conquise et il envoya un message à Al-Hajjaj pour le prévenir qu'il voulait y rester jusqu'à ce que l'hiver passe, afin que les soldats ils se reposent et se fortifient afin de continuer leur avancement. Al-Hajjaj lui envoya un message. Et il y a quoi entre les deux? Est-ce qu'il y a l'amour entre les deux ou il y a quoi? L'inimitié. Ah, c'est un mot un peu. Hein? Allez, c'est des ennemis. Ils se détestent l'un l'autre. Il lui envoya un message où il le réprimandait et le traitait de couardise. C'est un mot que vous connaissez, ça, couard. Achouaf, on dit chez nous. D'accord? C'est un peureux. Comment? Vous trouvez un autre mot que couard? La couardise. Vous avez entendu ce mot-là? Ouais, tu as entendu? Alhamdulillah. Je ne sais pas si c'est du vieux français, Allah alam. Je me fais vieux peut-être. Et de faiblesse et de lourdeur, et qu'il était ceci et cela. C'est-à-dire des paroles qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas louables. Cela convenait à sa haine. Al-Hajjaj continua donc de lui envoyer des messages et des lettres à Ibn al-Ash'ath où il le critiquait. Et il trouva donc une voie pour l'injurier, le critiquer. Il a trouvé une raison pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Maintenant vous vous dites, qu'est-ce que Ibn al-Hajjaj? Al-Hajjaj et Ibn al-Ash'ath, ils ont à voir avec taqwa. Vous posez la question. Si vous ne posez pas la question, il y a un problème. J'en ai impatience, vous allez avoir la réponse. Peut-être, j'espère aujourd'hui. Inch'Allah. Faqala fil jundi khatiba. In al-Hajjaj yaqulu kada wa kada fanduru amrakum. Falam yartadi al-qom kalam al-Hajjaj wa khala'u al-Hajjaj. فإنه كان أميرا عليهم خلعوا الحجاج وبدل أن يتجه ابن الأشعث إلى رتبيل لقتاله وفتح البلاد انقلب ورجع إلى الحجاج لقتال الحجاج فخرج جميعا لقتال الحجاج وهم الطريق قالوا وكان يوما يخطب فيهم والد ابن الأشعث son père maintenant محمد ابن الأشعث il y a beaucoup de noms aujourd'hui واسمه الابن عبد الرحمن donc le père il s'appelle محمد. Comment? Abu Abd al-Rahman. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être sa cognée, c'est peut-être pas sa cognée. En tout cas, lui, c'est Abu Abd al-Rahman. On est d'accord. Et son fils, c'est Abd al-Rahman.
ابن الأشعث خطب فيهم ومما قال بما أن خلعنا الحجاج فلابد أن نخلع من ولا الحجاج. صديق كي؟ عبد الملك بن مروان. الحمد لله vous suivez. Je sais qu'il y a des frères qui m'ont dit tu parles vite. Ça fait des années j'essaie de les corriger, j'arrive pas. الله المستعان. Des fois ça sont bénéfices parce que ça garde les gens un peu réveillés. Ils sont un peu surtout il fait chaud, on est là, on se sent bien, il fait chaud, hein? On est bien ici, c'est confortable, hein? Allah alam. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein? Gentiment, inchallah. Il, c'est-à-dire qu'Ibn al-Ash'ath, il fait un serment aux soldats où il dit Al-Hajjaj dit ceci et cela. Voyez votre affaire. Les soldats, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'acceptèrent pas la parole de Al-Hajjaj et se retirèrent de l'autorité de Al-Hajjaj. Ils sont rebellés. Khuruj. Hein? C'est-à-dire ils ont retiré l'autorité. Et qu'est-ce qui va suivre évidemment? C'est quoi? Ils sont retournés. Au lieu d'aller chez Rotville maintenant, ils se retournent contre Al-Hajjaj. L'armée se retourne contre Al-Hajjaj. Ils sortirent donc de l'autorité de Al-Hajjaj et à la place de se diriger vers Rutbil afin de le combattre et de faire des conquêtes, Ibn al-Ash'ash se retourna et se dirigea vers Al-Hajjaj afin de le combattre. Ils sortirent donc tous afin de combattre Al-Hajjaj. Maintenant, un jour, le père d'Ibn al-Ash'ash, le père d'Abd al-Rahman qui est Muhammad ibn al-Ash'ash, le nom de son fils est Abd al-Rahman, leur fit un serment et leur dit « Tant que nous sommes sortis de l'autorité de Al-Hajjaj, alors nous devons faire de même avec celui qui a donné Al-Hajjaj son autorité. » Qui est qui? Le calife des musulmans à cette époque, c'est Abd al-Malik ibn Marwan. Ils sortirent donc de l'autorité d'Abd al-Malik ibn Marwan et d'Al-Hajjaj et s'orientèrent donc vers qui maintenant? Naam, ils s'orientèrent afin de le combattre, de combattre Al-Hajjaj. Il y eut entre eux, cher, il continue, d'abord je continue en arabe, « Fakharajou jami'an » لقتال الحجاج صنع جلي فخلعوا عبد الملك بن مروان وخلعوا الحجاج فتوجهوا إلى ماذا؟ إلى قتاله ودارت بينهم معارك كثيرة شهيرة كانت الغلبة في أكثرها لابن الأشعث إلا أنه في آخر تلك النازلات أو عفوا النزالات ظفر به الحجاج نعم وانتصر عليه. وهذه الفتنة بارك الله فيكم قد شارك فيها مع ابن الأشعث جمع من الصلحاء والصالحين وأهل العلم لأن الحجاج بن يوسف معروف أيها الأحبة بتسلطه وجبروته وسفكه للدماء. C'était une grande fitna à l'époque. Vous allez voir que, hein, il y a des savants d'Islam qui ont disparu dans une nuit qui est très connue, qui a un nom en Islam. Dans les biographies qu'on voit de l'imam Dahabi, vous voyez, Fouqida Yom al-Dujail. On n'a plus de nouvelles de ce alim-là depuis cette nuit-là, tellement qu'il y a eu de morts cette nuit-là. Hein? On va voir dans un instant, Inch'Allah. Et donc ils s'orientèrent afin de le combattre, il y eut entre eux de nombreux célèbres combats, dans la majorité desquels Ibn al-Ash'ath avait le dessus, sauf que dans les derniers combats, Al-Hajjaj, qu'est-ce qui s'est passé? Le domina et le vainquit. Et dans cette épreuve qu'Allah vous bénisse, un certain nombre de vertueux et de gens de science participèrent aux côtés d'Ibn al-Ash'ath. Car Al-Hajjaj Ibn Yusuf était connu pour sa domination et sa tyrannie, et parce qu'il faisait couler le sang. Il a même tué certains parmi les sahabas, ya khou. Comme on va le voir dans un instant, Inch'Allah. Mais de plus, il lui arrivait de retarder la prière du vendredi de son heure. Et il fit aux gens des choses à tel point qu'un jour, un homme lui dit « Belkan et tahayyan fi waqt al-jumu'a an yu'akhir as-sala'an waqtiha wa fa'ala bin nas al-afa'il hatta inhu qad qala lahu rajul ya hada innaka qad fa'alta bi ummati Muhammadin kayta wa kayt fanduru ila jawab hada al-rajul » C'est qui répond dans Al-Hajjaj? « Wa huwa jawabun 'azim dahiya qala na'am » إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم لما أحدثتم في دين الله ما أحدثتم وتركتم من شريعة محمد ما تركتم سلطني الله عليكم هكذا يكون الأمر سلطني الله عليكم. Mais de plus il lui arrivait de retarder la prière du vendredi de son heure et il fit aux gens des choses à tel point qu'un jour un homme lui dit oh toi tu as fait à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle chose et telle chose. Regardez la réponse de cet homme. C'est qui cet homme? Hein? Al-Hajjaj. Hein? C'est Al-Hajjaj maintenant. Regardez la réponse. Et c'est des frères qui font des fois des erreurs dans les réponses. Je préfère qu'ils participent au moins. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, hein? On est là entre nous. Des fois, moi aussi, j'ai la langue qui glisse. Il y a des frères qui me récupèrent. Les hommes, ça arrive à tout le monde, ça. Hein? Il ne faut pas avoir cette gêne comme ça de...
notre frère, on est en train d'apprendre, on est en train de s'entraider pour la science. Oh, toi, tu as fait à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle et telle chose. Regardez la réponse de cet homme qui est une réponse mémorable et habile. Et il dit, oui, je ne suis qu'une calamité venant d'Allah sur vous. Lorsque vous avez innové ce que vous avez innové et que vous avez délaissé de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que vous avez délaissé, Allah m'a rendu maître de vous. Telle est donc l'affaire. Allah m'a rendu quoi ? Hein ? Maître de vous. Telle est donc l'affaire, Allah m'a rendu maître de vous. Et maintenant on a une parole de qui ? Al-Imam ibn Sirin, rahimahullah. Wa sami'a al-Imam ibn Sirin, rajulan yad'u 'ala al-Hajjaj, fa qala lahu, regardez, on a vu ce qui est al-Hajjaj, pas en détail, mais on a vu ce qui est al-Hajjaj. Et un jour ibn Sirin a entendu quelqu'un faire du'a contre al-Hajjaj. Regardez la réponse. Ya hada. C'est rapporté, on rapporte avec des chaînes de transmission, ce n'est pas des histoires racontées, des fables. Comme fait Moussanaf ibn Abi Shayba. قال له يا هذا إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم ممن ظلم من الحجاج فلا تظلم. فعل الأفاعيل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتل سادات الناس ومنهم سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيرهم من الأئمة والصلحاء. ولما استفحل أمره خرج بعض الصالحين معه وبعض العلماء مع ابن الأشعث يعني في قتال من الحجاج. الإمام ابن سيرين قال لي فاس ميزيريكورد il a dit il a entendu un homme invoqué contre le Hajjaj, il faisait du'a contre le Hajjaj. Il lui dit oh toi. Et cela rapporté dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba. Il lui dit toi oh toi, Allah juge parfaitement. Il prend pour le Hajjaj de celui qui a été injuste envers lui. Et il prend d'Al-Hajjaj pour celui qui a subi une injustice de la part d'Al-Hajjaj. Ne sois donc pas injuste. Et ça, c'est une règle importante, ya ikhwa. Je vous pose la question, est-ce que les gens de la sunna, هل يقابلون الظلم بظلم? Hein? Là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que les gens de la sunna, ils font face à l'injustice par l'injustice? Là, Ahsantum, c'est vrai, Annie. On ne fait pas face à l'injustice par l'injustice. Regardez ce qu'il a dit, ne sois donc pas injuste. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi fait des choses graves à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as les nobles parmi les gens, parmi eux, Sa'id ibn Jubair, radiallahu anhu arda. Et d'autres parmi les imams et les vertueux. Lorsque son affaire s'aggrava, certains vertueux sortirent avec lui, ils se rebellèrent, et certains savants furent avec Ibn al-Ash'ath, c'est-à-dire afin de combattre qui? Al-Hajjaj. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé. On va voir ça dans un instant, Inch'Allah. Et c'est pour cela que fut dit à Ibn al-Ash'ath. Et maintenant, on commence à arriver petit à petit au sujet du cours. Sur le sujet du cours. ولهذا كان أن قيل لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قاتل الصحابة حول هودج عائشة يعني يوم الجمل فأخرج معك من الحسن البصري رحمه الله. معلوم أيها الإخوة منزلات الإمام حسن البصري في الناس وهو قدوة وأسوة. إذا أردت أن يخرج الناس ويقاتل معك الحجاج فأخرج معك من؟ الحسن. لثقة الناس بالإمام الحسن فجيء للإمام الحسن واقتيد عنوة وقسرة وهو يأبى رحمه الله حتى إنه لما كان مقتادا قذف بنفسه إلى النهر. الله أكبر. ليفلت من الدخول في هذه الفتنة ونزلوا فأخرجوه رحمه الله كما في طبقة ابن سعد. Il fut dit à Ibn al-Ash'ath, Ibn al-Ash'ath qui s'est rebellé contre qui? Al-Hajjaj. Si tu veux que les gens combattent avec toi, comme les compagnons ont combattu autour de la litière placée sur le dos d'un chameau de Aïcha. Comment on appelle cette bataille? Non, la bataille du chameau. C'est-à-dire le jour de la bataille du chameau. Alors fais sortir avec toi, qui? Al-Hassan al-Basri. Chers frères, le statut d'Al-Hassan al-Basri, parmi les gens, est connu. Il est un exemple et un modèle. Hein? Vous connaissez la description physique de Al-Hassan al-Basri? Il était fort, rahimahullah. Hein? Sa couleur de peau? Il était foncé de peau, naam. Pourquoi? Lui-même? Ou il descendait d'une lignée?
des gens sont venus lui demander par rapport à le khuruj. Il leur répondait que la sunna. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un étranger. Hein? On va écouter ce gros. On va écouter un. Hein? Regardez, ils sont venus lui demander pourquoi. Ça, c'est pas dans le cours, mais. Hein? C'est Cheikh Falah Ismail qui rapporte ça dans Usul Sunna, l'imam Ahmed. Pourquoi? Ils sont venus parce que c'est un imam. Ils leur ont répondu avec la sunna, contrairement à ce qu'eux voulaient y chercher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont insulté. Ça vous rappelle pas beaucoup de gens cette époque-ci? Hein? Hein? Par un ou l'autre. Autre, quand il parle, un, il cherche des paroles des savants. Quand le savant dit le contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent contre le savant, hein? En les critiquant. C'est une faïda en passant. Donc si tu veux que les gens sortent avec toi et combattent avec toi, alors fais sortir avec toi Al-Hassan. En raison de la confiance qu'avaient les gens en Hassan al-Basri. C'est-à-dire que si les gens voient Hassan avec le sabre, qu'est-ce qui va se passer? Khalas, qu'est-ce qu'il y a? Hein? On y va. C'est un imam, Qudwa. Ils vinrent donc chez l'imam Al-Hassan al-Basri et il fut emmené de vive force et par contrainte, alors qu'il refusait qu'Allah lui fasse miséricorde. A-t-il écouté ça? Regardez le sunnah, ya ikhwa. Il a refusé, à tel point qu'il a été emmené de vive force. Hein? Il a été emmené de vive force, contre son choix. Et il se jeta dans le fleuve afin d'échapper à cette fitna. Il ne voulait pas participer à la fitna. Ils descendirent et l'en firent sortir, afin qu'Allah lui fasse miséricorde, hein? Qu'il sorte avec eux, comme cela est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd. Cheikh, il dit, Al-Shahid, هذه الفتنة العمياء التي ذهبت فيها أنفس وقتلت فيها أمم وفقد آخر تلك الليالي ليلة تسمى ليلة دوجيل ليلة غتنسون ليلة دوجيل. On va pas rentrer dans les détails, mais si vous regardez dans un livre qui s'appelle Mu'jam al-Buldan, c'est quoi en fait? C'est comme un genre de glossaire avec tous les contrées, les pays, etc. Ils disent que c'est le nom de quoi? D'une rivière. D'accord? Et le nom de cette nuit, il a pris le nom de Dujail, de cette rivière. Dujail, Dujail. C'est un livre contemporain. Moi j'aime le Buldan. Non. Je suis pas sûr, je vais pas te mentir, mais je pense pas. Hein? Yani, prends ma réponse et mets deux grandes parenthèses à côté. Ouais. Vérifie Allah Yizik Bekhir, ça va? ليله دجيل فقد فقد فيها كثير من الخلق ولذلك تجد في تراجم بعد الائمه يقال فقد ليله دجيل فقد لا يدرى عنه مات هو في تلك السنه اما بعدها لا يدرى ومن هؤلاء كي من ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن ابيه ورحمه وغيره من العلماء. Écoutez ça, regardez la fitna, qu'est-ce que ça fait, le khurouj, qu'est-ce que ça fait. Cette épreuve aveugle au cours de laquelle des gens furent tués, et des communautés furent tuées. Et lors de la dernière de ces nuits, qui est appelée la nuit de Dujail, ou l'une des dernières nuits, beaucoup de gens disparurent. Et c'est pour cela que tu trouves dans la biographie de certains imams, qu'il y dit à son sujet, disparu la nuit de Dujail. Parce que dans les tarages, dans les biographies, on rapporte quoi? La naissance et la mort, ça, oh là là. Et certains, on voit quoi? Disparu la nuit de Dujail. Parmi eux, à titre d'exemple, c'est-à-dire disparu, on ne sait pas s'il est mort cette année-là ou s'il est mort plus tard. On n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas. Parmi ceux-là, Abu Ubaida, qui est le fils de qui? D'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Hein? Abu Ubaida, ibn Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah agresse son père et qu'Allah lui fasse miséricorde à lui. Et d'autres parmi les savants, il y en a d'autres. هذه الفتنة ومعلوم ما في القتال أيها الأحبة من الافتتان. ومن تداخل الحق بالباطل ولهذا الله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون سورة البقرة. ممن خرج مع ابن الأشعث في ذلك الوقت الإمام عامر بن شراحيل كنا في الكومون هسي لكي دي سا جو دون كم دون نوز انفون ليكول هاجو سافيك شون سينيون سالافي سكول ان انجلتير ها جولدن ستار يعني تيان ها احسنت ها. Celui qui dit ça, yani, je lui donne Golden Star, une virtuelle. Hein? L'imam Amir ibn Sharahil. Il est connu, très connu, si même, vous ne connaissez pas par ce nom-là. Al-Sha'bi. Al-Sha'bi. L'imam Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. L'imam al-Sha'bi al-Shahir. Mais il taba, rahimahullah. Et anaba, et raja ila Allah jalla ala, et staghfara. فهؤلاء القوم من الصلحاء والعلماء خرجوا تهت الناس والعامة
نخرج مع ابن الأشعث أم نصبر على جور الحجاج؟ هذه الفتنة، هل نتعامل معه بما دلت عليه النصوص من الصبر على جور الأئمة أم لا؟ ماذا نفعل؟ C'était preuve aveugle. Qui est quoi? On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, notamment la nuit d'Ogeil. D'accord? Cette épreuve et ce qu'il y a comme trouble dans les combats est connu, et la confusion entre le vrai et le faux. Imaginez-vous, il faut étudier, il y a des chapitres entiers dans la sunna, sur quoi? Le fitan. Il y a une sourate du Coran, que les ulama donnent un nom, parmi ces noms, c'est sourate le fitan. C'est facile ça. Ahsant l'ankabout. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسن، جزاك الله خيرا. Et c'est pour cela qu'Allah dit, selon la traduction du sens est, elle ne mêlait pas le faux à la vérité, ne cachait pas sciemment la vérité. Sourate al-Baqarah, verset 42. Parmi ceux qui se sont rebellés avec Ibn al-Ash'ath, à ce moment, il y a l'imam عامر بن شراحيل الشعبي كي كوني بلوس سو نو شعبي فوز انتوني سوفون سو نو لا نو الشعبي الامام الشعبي رحمه الله لو سيليبر امام الشعبي ميل سو روبونتي رحمه الله اي روفان اي سو روبونتي الله اي دوماندا باردون الله ها اي نعم الشعبي رحمه الله في يعني امام كنت تجي في الحديث خلاص ها اي دونك سي جون parmi les vertueux et les savants se rebellèrent. La masse des gens fut troublée. Doit-on se rebeller avec Ibn al-Ash'ath? Ou doit-on patienter quant à la tyrannie de l'Hajjaj? Hein, imaginez-vous dans cette position. Fitna. Doit-on nous comporter avec lui en fonction de ce qu'indiquent les textes quant à la patience sur la tyrannie des gouverneurs ou pas? Que doit-on faire? Et Cheikh il dit, وفي هذا المقام أذكر والذكر تنفع المؤمنين أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة لما قيل له إنه قد بويع علي يزيد ماذا قال؟ قال إن كان خيرا شكرنا وإن كان شرا صبرنا. هذا هو التعامل الشرعي مع الولاة الذين فيهم جور وظلم وحيف. À ce stade, c'est Cheikh Al-Bukhari qui dit ça, il dit, je rappelle et le rappel profite aux croyants qu'Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, Sahabi, fils de Sahabi. Il fait partie de ce qu'on appelle l'Abadila dans le Hadith. C'est qui l'Abadila? Pourquoi on les appelle l'Abadila? Parce qu'ils s'appellent Abdullah. Parmi eux qui? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Abdullah. Les noms ils vont vite là. Hein? Hein? Vous savez ce que ça veut dire l'Abadila? Hein? Comme cela est rapporté dans le Moussanaf d'Ibn Abi Shayba, lorsqu'il lui fut dit, l'allégeance a été faite à Yazid. Que dit-il? Il dit, s'il est un bien, nous remercierons, et s'il est un mal, nous patienterons. Voici la manière légiférée de se comporter avec les gouverneurs, qui ont de l'injustice et de l'oppression et de la tyrannie. Et maintenant, vous avez enfin votre réponse. J'arrête maintenant ou... Ce ne serait pas gentil de ma part. Hein? Hein? Vous avez la réponse pourquoi Cheikh a rapporté toute cette histoire par rapport au titre. C'est important toujours de lier ce qu'on dit par rapport au titre. Qui est quoi, le titre? Si vous ne savez pas le titre, je fais comme il a fait chez le Rodayan. Vous vous rappelez, hein? Qu'est-ce qu'il a fait chez le Rodayan? Il a fermé le livre et il est rentré. Hein? Ahsan, sa réalité, la piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application. Alhamdulillah, je peux rester. Alhamdulillah. Al-Muhim, ja'at an-nas ila rajulin yusamma طلق ابن حبيب. Pourquoi on a dit طلق ابن حبيب ici, vous devinez? Là, je vous ai dit, خلاص. Vous pouvez terminer vous-même le dars là. Hein? C'est quoi? طلق ابن حبيب, qu'est-ce qui est très connu de lui? Sa définition de la piété, de la taqwa. Que Cheikh Abdelzak, d'ailleurs, il a très bien expliqué. Cheikh Abdelzak al-Badr, hafidahullah. Donc les gens, ils sont venus voir طلق ابن حبيب dans cette fitna. رجل يسمى طلق ابن حبيب. وهذا الأثر الذي سأذكره قد أخرج الإمام عبد الله بن المبارك. Il est rapporté de l'imam Ibn Mubarak, de sa sincérité, qu'il y avait un cavalier qui combattait un jour, et il était masqué ce cavalier. Hein? Et son masque est tombé, c'était qui?
عبد المبارك سي با بور كان ساش كي 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 تي سور لو شوفال هذه الاخلاص ها في كتاب الزهد وهناد بن السري في الزهد ايضا وابن ابي شيبه رحمه الله ورحمهم جميعا في المصنف وفي كتاب الايمان له وكذا ابو نعيم في الحليه بسند صحيح انه لما وقعت فتنه ابن الاشعث هكذا اللفظ فيها لما وقعت فتنه ابن الاشعث جاءه الناس وقالوا لطلق ماذا نفعل كسكون ذا فكان يقول لهم اطفئوها بالتقوى او ادفعوها بالتقوى وفي لفظ يعني في روايه اطفئوها وفي روايه ادفعوها لي جون دونك allèrent voir un homme appelé طلق ابن حبيب Et ce athar que je vais citer a été rapporté par l'imam Abdullah ibn al-Mubarak dans le kitab al-Zuhd et Hannad ibn al-Sari dans al-Zuhd et ibn Abi Shayba dans le Musannaf et dans son kitab al-Iman et aussi Abu Nu'aym dans al-Hilya avec une chaîne de transmission authentique qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Que lorsque l'épreuve d'Ibn al-Ash'as s'est passée, telle est la formulation de ce athar et je vous conseille de regarder un peu dans le hadith c'est quoi la différence entre un hadith et un athar est-ce qu'il y a une différence ou pas Dans c'est quoi la définition de chaque dans l'oura et l'estilah, etc. Les gens vinrent et dirent à Talq, que devons-nous faire? Il leur disait quoi? Éteignez-la, c'est-à-dire la fitna, avec la taqwa, avec la piété. Ou dans notre riwaya, notre version, repoussez-la avec la piété, repoussez la fitna avec la piété, avec la taqwa. Dans une version, éteignez-la, et dans notre version, quoi? Hein, donnez-moi des signes de vie de temps en temps, hein? C'est quoi? Repoussez-la. Et telle est l'affaire des fitanes, le cheikh il dit. Des épreuves, des troubles. Elles requièrent d'être éteintes et repoussées, car si elles ne sont pas éteintes, elles vont s'embraser et se répandre parmi les gens. Et donc celui qui tue ne saura pas pourquoi il a tué. Et, ni celui qui est tué ne saura pourquoi il a été tué. C'est ça le fitna. Il dit repoussez-la ou éteignez-la avec la piété et la taqwa. وهكذا الفتن تحتاج إلى دفع وإطفاء لأنها إذا لم تطفأ زادت واشتعلت ومشت في الناس فلا يدرى القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل أحسنتم قال ادفعوها أو اطفئوها بالتقوى كأنه أكثر عليهم بهذا الجواب c'est comme si répétait tout le temps ça les gens toujours اطفئوها اطفئوها ادفعوها ادفعوها qu'est-ce qui s'est passé les gens disent ils ont dit quoi ما هي التقوى كأنه أكثر عليهم بهذا الجواب فقالوا له بعد أن كرر عليهم قالوا له صف لنا التقوى إذا قد أكثرت علينا فما هي التقوى منهم فسبق سكوا التقوى اتني لا بك لا بيتي اتني لا غبوسي لا بيتي سكوا لا بيتي فسبق سكوا لا بيتي et c'est pour ça qu'on est assis entre nous ici aujourd'hui pour l'apprendre pour savoir c'est quoi la piété ما هي التقوى؟ قال رحمه الله التقوى وهذا هو حقيقتها. Et je voudrais بارك الله فيكم que vous mémorisiez cette définition-là, si possible en arabe, sinon en français. Et gardez-la pour la vie et essayez de la mettre en application, inshallah. Et enseignez-la à vos femmes, enseignez-la à vos mères, à vos parents. Hein? Et j'aurais dû dire mère avant femme, parce que la mère a plus de droits. Hein? Enseignez-la à vos mères, à vos pères, à vos femmes, à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants, à vos voisins, à vos amis. Hein? Au lieu de parler de la pluie du beau temps, vous avez plus de beau temps ici que de pluie, nous on a beaucoup de pluie, hein, à la Kolihal. Vous parlez de ce genre de choses. Ah, tu sais, c'est quoi la taqwa hein? Non, tu veux que je te dise c'est quoi la taqwa ouais, voilà, c'est ça, Talq ibn Habib l'a dit. Ça, regarde, c'est une belle définition, mémorise-la. Hein? Parce que Salafi, c'est un da'i d'Allah Azza wa Jal. Chacun son niveau, c'est vrai, voilà qu'il faut faire da'wa. Toi, tu ne fais rien, tu dis voilà la définition, je l'ai mémorisée, tiens, Kada. Et Cheikh al-Bukhari l'a expliqué de telle manière, et toi tu rajoutes rien, t'enlèves rien. Al-taqwa, amalun bi ta'atillah. Ala nourin min Allah. Tarjou thawab Allah. Wal-taqwa, tarku ma'asiyatillah. Ala nourin min Allah. Makhafatan, iqab Allah. هذه هي التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله تجو ثواب الله والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله هكذا نصحهم رحمه الله et tout le cours maintenant toute la fin du cours inshallah elle va être dans quoi la définition
ou plutôt, pardon, l'explication de cette définition de la taqwa. Vous suivez? Vous avez un plan du cours dans votre tête ou pas? Hein? Je vois des têtes qui font oui, comme ça. Hein? Et c'est important d'avoir un esprit de synthèse. Et à la maison, tu refais une synthèse, etc. Cheikh Baramzal Hajdiri, quand il est venu chez nous à Birmingham une fois, à la fin du cours, il a dit, toute personne qui me ramène ses notes, il aura un cadeau de ma part. Cheikh Baramzal, il est connu qu'il donne des très beaux cadeaux. Hein? D'accord? Des fois, vous allez dire, hein? Des fois, quand quelqu'un répond à une question, il donne 50 euros. Qaddar Allah. La sorte de faire le masjid, hein? Jusque dans la rue, ça, oh là là. 50 euros la question, Allahu Akbar. Hein? Le but, c'est pas les 50 euros, mais bon, c'est une récompense. Donc, c'est comme s'il répéta beaucoup cette réponse et lui dire après qu'il a leur eu répété de nombreuses fois, décris-nous c'est quoi la piété. Tu nous as beaucoup répété cette réponse, quelle est donc maintenant cette piété? On veut savoir, quelle est donc cette piété? Il répondit qu'Allah lui fasse miséricorde, la piété est-elle sa réalité? Eh bien c'est quoi? Il a dit, la piété est de pratiquer l'obéissance à Allah. Et vous allez voir que je vais traduire d'une certaine manière « Nourim d'Allah » mais vous allez savoir pourquoi. Avec une science venant d'Allah. J'aurais pu dire avec quoi? Une lumière venant d'Allah, qui est une traduction correcte, mais qui n'est pas proche du sens. Hein? Oui, une lumière, guidée, etc. Mais le sens ici, c'est, comme il va l'expliquer Cheikh plus loin, ça veut dire lumière, c'est quoi? Min Allah, c'est une science venant d'Allah. Donc on traduit directement une tarjama istilahiya, une traduction par la terminologie, chez les savants de l'islam, et on dit quoi? Avec une science venant d'Allah. En espérant la récompense d'Allah. Donc essayez de la mémoriser avec moi maintenant, c'est quoi? La piété, c'est de pratiquer quoi? L'obéissance à Allah. C'est facile à retenir. Ça ou là? Mais avec quoi? Avec jahl? Non, avec une science venant d'Allah. Pourquoi? Parce que tu espères la récompense d'Allah. Ça c'est la première moitié de la définition. Deuxième moitié, c'est simplement quoi? L'inverse si vous voulez. Hein? Et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah. Avec une science venant d'Allah. Pourquoi? Par crainte du châtiment d'Allah. Vous la retenez ou pas? Qui sait la dire en français? Je suis gentil, je dis en français. Parce que j'ai entendu déjà des gens qui l'ont dit en arabe, en français. Si vous faites une erreur, ma'alish. Je la répète une fois. Oh, c'est facile alors. Hein? Vous vous rappelez le hadith, vous connaissez dans le kitab de l'Imsah al-Bukhari, il y en a deux qui apprennent pas, c'est qui? Le mustakbir, celui qui est orgueilleux, et le mustahi, celui qui, hein? Et s'il y en a un qui doit être timide, je vous assure, c'est moi ici. Hein? Même si avec le temps, alhamdoulilah, on s'habitue à parler devant les gens, on a toujours une boule au ventre, et je crois, avant de venir devant ce micro ici. Parce que c'est une amana. C'est une amana. C'est pas facile. Hein? Là, il y en a qui... prépare là. Hein? Barakallahu fik, vas-y, donne-moi la réponse. Hein? Mais c'est très bien, alhamdoulilah, j'ai pas de problème avec ça. Hein? Allez, qui dit la définition en français? En résumé? Si possible, comme elle est, sinon par le sens. C'est l'obéissance à Allah. L'obéissance à Allah, non, pratiquer l'obéissance à Allah. Avec science? Science venant de qui? D'Allah. Venant d'Allah, sahih. Zid, pourquoi? En espérant sa récompense. Et qui veut dire la deuxième moitié? Tfadal. Délaisser la désobéissance à qui? Allah. À Allah. Avec la science venue d'Allah. La science venue d'Allah. En craignant le châtiment. Ahsant, en craignant quoi? Le châtiment d'Allah. Non, khlas, vous connaissez la... Hein? Vous donnez des lettres ou à l'école ici. Qu'est-ce qu'ils disent? 20 sur 20 ou ils disent A? Hein? Hadi 50. Hein? 50. Regarde, subhanallah, regarde la mémoire comment elle est liée. Hein? Hadi, hein? أما التعريف الله أعلم ولكن 50 هذه بقات ها ها ولي بون 50 بون سي 60 يورو ها يا ناس ها encore هذا سي تي تي كوميرسون ها ان بو 50 درهم لا 2 يورو على كل حال telle est la piété pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah
et la fierté et de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. J'ai encore un peu le temps. 5 minutes, pas plus. Ça veut dire qu'on ne terminera pas le cours. Parce que j'ai encore deux cours à faire avec vous. C'est le cours de Cheikh Ben Ramzan sur la clarté du ménage et son effet dans la da'wa. Et de Cheikh Raslan, ils sont la peste des cœurs. Ah, celui-là, toi tu l'attends, toi. Hein? Non, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. C'est un cours que j'ai voulu faire depuis longtemps. Non. Et c'est le responsable qui a parlé, sinon j'aurais dit si je vous laisse le choix, mais c'est. Hein? C'est la. Walil Amr, ici il a dit. Hein? Moi j'ai rien. Hein? Allez, on va avoir un peu de rahma, c'est long. Ça a été long avec les frères, il va se préparer pour le Dars de Cheikh Abdelhadi, Inch'Allah. El Fajr, on pourra peut-être finir celui-là et commencer l'autre. Inch'Allah. C'est comme vous voulez. Hein? Si on est réveillé, si on est. Je termine juste ce point là et je rapporte une parole d'Ibn Qayyim et on s'arrête, Inch'Allah, ça va? On retient, pratiquer l'obéissance à Allah. Donc on étudie quoi ici? Le livre de Cheikh al-Bukhari, Abdurrahim al-Bukhari, Hafidahullah Ta'ala, qui est enseignant à l'université de Médine. Hafidah qui fait partie des chouïrs connus de Médine, Hafidahullah Ta'ala. Je vous recommande vivement ses cours et en particulier son explication de Usul Sunnah d'Imam Ahmed, qu'il en dit qu'à 7. C'est parmi les meilleurs que moi j'ai entendu. Au son de Sunnah de l'imam Ahmed, 10 cassettes. Il a le Bayqouniya qui a été publié, il a au son de Sunnah d'Ibn Abi Zamanin, il a beaucoup de. Le Cheikh de l'imam Muslim. Quel Cheikh? Mais c'est quoi le livre? C'est quoi? Tu me diras après, Inch'Allah. T'es en Algérie aussi? À la même daura? Tu étais là? Ah, c'est pour ça que tu m'as dit Mbaraki. Hein? Pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah. Voilà le conseil qui leur fit qu'Allah le fasse miséricorde. Donc on a le Dars de Cheikh al-Bukhari qui est la piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application. Il a rapporté la fitna de Bil-Ash'as qui s'est rebellé contre qui? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était sous l'autorité, ils étaient tous sous l'autorité de qui? Du calife des musulmans, Abd Malik ibn Marwan. Pourquoi? Parce que Al-Hajjaj il a critiqué Bil-Ash'as, donc ils sont retournés au lieu d'aller chez Rotbil, le roi des Turcs, ils sont retournés contre Al-Hajjaj. Hein? Et il y a eu la fitna et les gens, ils savaient pas quoi faire, ils ont été chez un homme. D'abord, ils ont essayé d'avoir Hassan al-Basri, Ibn al-Ash'as. Hein? Après, les gens, ils ont été chez Talq ibn Habib, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit, atfi'ouha, éteignez la fitna, repoussez la fitna, avec la taqwa, avec la taqwa, avec la taqwa, jusqu'à ce qu'ils ont dit, mais c'est quoi la taqwa? Et puis, il leur a donné cette définition. Maintenant, on termine sur une parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Cheikh Al-Di Abd al-Bukhari, hafidhullah, had al-had, a'ni fi ta'rif al-taqwa, وبيان حقيقة التقوى أو حد التقوى قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية قال هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى ولا ينبئك مثل خبير أقول ولا ينبئك مثل خبير كالإمام ابن القيم رحمه الله العارف الخريت رحمة الله عليه وصفها بهذا الوصف الجامع أحسن ما قيل العبارات في حد التقوى عديدة إلا أن هذا أحسن تلك العبارات. Cette définition de la piété et cette mise en évidence de la réalité de la piété, l'imam Al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à son sujet dans son livre Al-Risala al-Tabukiyya, cette définition est la meilleure qui était donnée à la piété. C'est qui dit ça? Al-Qayyim rahimahullah. Regardez l'importance. C'est pourquoi Cheikh Al-Bukhari, vous savez, les ulama, ils ont du ilm. Hein? Et donc quand il parle avec ilm. C'est pas pour rien qu'un alim choisit un sujet, qu'il choisit une définition par rapport à ce sujet, etc. D'accord? Et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. J'ai dit, Cheikh al-Bukhari, et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé, comme Ibn Qayyim, le connaisseur expérimenté, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on s'arrête là-dessus. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahu bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.